Salut YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié Factorio C-Block. On va pouvoir reprendre, on s'était arrêté, donc maintenant qu'on a résolu nos problèmes de plastique, on va pouvoir reprendre la fabrication des circuits bleus. C'est là on va commencer à rentrer dans les petits soucis de, il va falloir faire un peu zigzaguer notre bus. Mais bon, c'est un peu dommage, mais tant pis, on va être obligé. Pas avoir trop le choix de toute façon. Donc déjà, premier truc qu'on peut faire facilement, c'est se dire que les circuits bleus, eux, ils vont repartir par là. La question c'est quel niveau? Parce que là on a ces composants là dont on va de toute façon avoir besoin. Hop, d'ailleurs, à ce propos, on va passer ça comme ça. Voilà. J'espère que je vais pas trop me remplir les trucs que je ne pourrais pas supporter, mais bon. Bon, pas trop le choix, il faut bien le faire. Ok, ensuite je crois que niveau 2 on l'a déjà utilisé voilà ici pour mettre des débris, donc on va se le garder. Donc par exemple on va remettre les. Remettre ça sur le niveau 3. Comme ça on se fait un peu de place. Parfait. Toc. On n'a pas un petit mélangeur là, mais on va peut-être régler ça comme ça, ce sera plus pratique de le mettre là-haut. Hop. Voilà. Ça, on a de quoi envoyer nos circuits bleus. Et maintenant, il va falloir commencer à alimenter tout ce dont on va avoir besoin, notamment ici avec de l'acide sulfurique. Je ne sais pas trop où on va pouvoir aller chercher. Parce que l'acide sulfurique, on le balade pas du tout là-dedans. Non. Un problème. Ça sent... Non, c'est du sulfure dioxyde, ça. L'acide sulfurique qui se balade là. Repart tout le long là. Donc, potentiellement, on pourrait essayer de le faire remonter là, mais ça va être compliqué de le faire passer. Voilà, là il y a des choses sur le chemin. C'est pas pratique. Là, on a un espace un petit peu plein niveau tuyau, quoi. C'est pas évident de passer un nouveau truc. Voilà, après on pourrait, mais ça va être compliqué. Donc bon, faudra qu'on se garde une option pour ça. Bah, quitte à faire monter l'acide sulfurique sur ce bus-là, hein. Au pire, c'est pas perdu. De toute façon, il servira bien à autre chose. Que là, il n'y a pas du tout. Ok, on a déjà mis de l'azote, mais c'est tout. On pourrait très bien s'amuser à faire monter l'acide sulfurique aussi là. Si jamais c'est vraiment nécessaire. On va sûrement faire ça. Du coup, on a donc les trucs bleus qui arrivent là. On a besoin de circuits rouges et de plaques de titane. Ok. Bon, du coup, je vais quand même me laisser une petite place pour les tuyaux, comme ça on sera sûr qu'on pourra le faire passer. Ce sera plus simple si je le fais dans ce sens-là, je pense. On a dit qu'il n'y avait que l'azote qui était déjà utilisé niveau 1. Oui, donc on va dire que ça c'est pas donc niveau 1 mais niveau 2. Hop, hop, hop. Voilà. Du coup ça on va de se l'éviter là parce que ça va pas être pratique. Ok, du coup on voudrait le faire passer quelque part par ici. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un endroit où on le fait monter voilà, qui pourrait traverser typiquement là. Tout à fait être le cas. On se met en plein dans... Ah non, ça tombe à côté.
faire ça. En ce temps-là, est-ce que notre cuivre commence à aller un peu mieux? Doucement, mais sûrement. Par là qui va être hein, cet acide. Ah non, ça c'est dioxyde, sulfure de enfin bref. Dioxyde de soufre. Du coup, c'est où qu'on a. Ouais, ça va être compliqué. Plutôt le faire passer à droite. Va le refaire monter là, ça m'arrangerait beaucoup. Question c'est, est-ce que j'ai un petit endroit où je pourrais le faire passer gentiment, genre comme ceci, oui. Juste là, ça pourrait être pas mal. Ça ne marche pas très bien, mais c'est pas grave, on va le faire tourner juste comme ceci. Tant qu'on est encore en bas, on va aller chercher aussi un peu de tuyau. Parce que, comme on est parti, ça va être compliqué. Cuivre, c'est là-haut. Puff. Voilà, très grand problème. Et ensuite, on est parti pour amener. Oula! La complexité ici, mais bon. Ça ne tienne. Ça se goupille quand même plutôt pas mal. Donc, tant mieux. Par là, hein. Hop! On a dit qu'on allait au deuxième niveau. Hein. Premier, deuxième, comme ceci. Voilà. Pareil. On fait un petit passage en douce. Voilà. Donc là, acide sulfurique. C'est la fête. Et voilà, donc ça normalement s'alimenter, première chose de faite. Donc là on va se dire que ça reste en l'état comme ça. Et donc on va pouvoir commencer à ramener les premiers trucs par ici quoi. Tant qu'on y est, on va descendre aussi ça dont on va avoir besoin également. Ça va être compliqué, il va falloir zigzaguer un peu, je pense. Hop. Moment où j'aimerais bien mettre un mélangeur, mais là c'est difficile. A priori, le cuivre ça va un peu mieux. C'est pas encore parfait, parfait, mais un peu mieux. Quand ils sont pas quand même, ils sont toujours pas incroyables. Mais on a bientôt fini la science bleue, donc avec un peu de chance, ça devrait se tasser assez prochainement. Hop et hop, voilà comme ça c'est un peu plus clean. Du coup ça on va le redescendre aussi parce qu'on va en avoir besoin. Tant qu'à faire, on va aller jusque là. Hop.
Et hop. Voilà. Ça c'est fait, ça a tourné au fur et à mesure qu'on aura du cuivre pour l'alimenter. Je sais pas si on avance un petit peu sur le stockage des circuits roules aussi tant qu'on y est, parce que... Ah, vite fait quoi. Après ça avance peut-être hein, l'un dans l'autre, j'en sais rien, mais... On est toujours en train d'en consommer, donc c'est ça qui est problématique. Science bleue, c'est bon, ça va se terminer là. A priori, oui. Ah, ça fout à quel point ça galère le cuivre, mais bon. Donc, on a ça ici, on a ça là. 1, 2, 3, 4 pour les. Or et tout ça. Regardez. Donc. Circuit rouge, oui, donc on va avancer le circuit rouge aussi. Bien mettre au bord tout ce dont on va avoir besoin. Hop. De trucs comme ça aussi. J'essaie de faire un petit listing des trucs nécessaires, comme ça on pourra vraiment mettre les choses un peu dans l'ordre. Ok, on est bon. On est bon. Voilà. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5 du coup. Non, en fait, je n'ai même pas aussi besoin de tout ça. Hop. J'ai probablement pas besoin de tout ça. Surtout titane et or, donc ils sont déjà là. Parfait. De ce côté-là. Donc ça et ça, on a. Ça, on va devoir les faire. Ça, on va devoir les faire. Ça, on va avoir besoin de plastique, de silicium, d'or et de cuivre. Et compliqué. Donc ça on prend. Ça on prend. On a dit plastique et silicium. Bon, plastique il est là. Silicium c'est là. Et plastique, oui. Hop. Voilà, donc là on commence déjà à avoir un petit paquet de trucs à monter. Donc ça va pas être évident de faire passer tout ça là, mais bon, va falloir se débrouiller. Donc là normalement on est bon, hein, plastique, silicium ça fait là, ça donc, cuivre et or, on est bon. Maintenant il ne reste plus que ça, où donc on a besoin de résine et de fibre de verre, donc la fibre de verre va falloir aller la chercher. Hop, et après le reste on a cuivre et argent. Bon bah l'argent de toute façon il y était, donc on va l'amener aussi, comme ça sera fait, surtout ça évitera d'oublier. Hop. Et donc il nous manque la fibre de verre. La fibre de verre qui doit se trouver dans ces eaux là, ça c'est de l'acier. Donc la fibre de verre qui est juste là. Ok. Ça va, on va avoir assez de convers pour faire tout ça, mais bon. Hop. C'est loin. Voilà. Parti pour la fibre de verre. Hop et hop.
Là, normalement, on a le comble de tout ce qu'il nous faut. C'est un petit passage là. Donc déjà, on peut en faire passer 3 comme ça. Ça va être les 3 du fond, hein, de toute façon. Hop. C'est-à-dire qu'après il va falloir faire monter les choses à part. Donc là on va s'arrêter là pour l'instant, ce sera très bien. Hop, hop, hop. Parce que là potentiellement, si on en a 4 ici, on va vouloir en mettre 4 là. Voilà. Donc là la question c'est est-ce qu'on en a plus ou moins de 4. On en a beaucoup plus que 4. Très bien. Donc ce sont 1, 2, 3, 4. Donc là, il va falloir commencer à faire monter les choses ici. Hop. Et 4 comme ceci. Du coup, après, ça veut dire qu'il va falloir en faire passer un autre par là, quoi. Hop, donc là, okay, c'est plein, tant pis. Et donc, on va en vouloir un autre qui fait comme ceci. Et du coup, il n'y en a que 3. Ça tombe bien, ça semble marcher. Hop, hop. Et un autre comme ça. Voilà, normalement on a tout ce qu'il nous faut. Hop. Ok. Là normalement, on devrait être bon. On va falloir décider comment on fait tourner tout ça. Du coup. Faire passer 3 ici, 4 de plus ici, et ça va être très chaud de faire passer les 3 suivants, mais ça devrait le faire. Ouais, c'est tout pile. Hop, voilà. Ça, du coup. Ok, donc là, alors, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Sauf bien sûr si on a oublié quelque chose. Mais ça, je pense que ça sert même pas à grand chose de le mentionner. Hop. Voilà. Ah, mais encore plus, décidément. C'est pas une de ces vitesses, ce truc-là. La recherche pour augmenter un peu la taille des poches, il va falloir essayer de trouver ça parce que ça devient un peu compliqué. Ou alors il faudrait que je fasse un peu de ménage aussi, optionnellement. Parce que j'ai quand même pas... Le truc ne sert pas forcément à grand chose. Mais bon. Donc là c'est bon, on s'en sort mieux niveau. Niveau cuivre. Allez, vite fait, parce que on a toujours. On a fini de stacker les bleus, maintenant on est en train de stacker ces trucs là. Et quand ça sera rempli là, ça devrait permettre de consommer un peu moins. De cuivre. Donc ça se passe bien. Pourquoi je suis redescendu là d'ailleurs? Hop. Ok. Là, est-ce que j'ai des... Oups. Ces choses
chose d'intéressante à faire ici et là. Dans l'absolu, pas tout de suite. Limite, on va peut-être pouvoir se débarrasser un peu de notre soudure quelque part par là, non? Par moment, on a besoin de la soudure. Pas trop l'air. Donc du coup, là on a dit qu'il fallait titane et circuit rouge directement ici. Donc ça serait peut-être un petit poil compliqué à envoyer direct, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Pourquoi il y a deux trucs? Parce qu'on peut envoyer le titane juste là, et le circuit rouge là. Okay, bien, faisons cela. Hop. D'ailleurs, il va me falloir beaucoup plus de ça. Et du coup, il va me falloir beaucoup plus de fer. C'est bon. Peut-être aller un peu plus vite. Pour ne pas faire perdre 15 000 ans. Regardez. Courir à droite, à gauche. Hop. Pas de problème, ça. Hop. Déjà. Tiens. On n'a plus rien qui va. Hop. Et donc, ici, on va avoir besoin d'un peu de bras. C'est bon. Hop. Voilà. Ok, on est pas mal. Sinon, c'est ce qu'on va réussir à faire passer. Un truc comme ça ici, c'est pas évident. Si je split, on va plutôt se faire un petit passage zigzag, comme ça. Hop. Non. Sinon ce serait trop simple. On va se débarrasser d'un truc quelque part par là quand même. Pas déconner. Si j'en ai pas plein, par contre le plastique j'en ai plein. Là qui a besoin de plastique, oui par exemple, hop, voilà, un peu moins de place. Je vais mettre ça là, voilà. Ça on est pas mal là. Maintenant il manque plus que la prod des petits trucs bleus. Les petits trucs bleus du coup. Ok, ça peut se faire aussi dans ces machines là. Je n'en ai plus et que j'ai pas de place non plus forcément, sinon c'est pas drôle. Hop, on va aller bazarder ces trucs là. Hein, donc, niveau machine. Salut Kakon. Niveau machine, on a quoi? On a celle-là, celle-là avec du circuit rouge. Pour l'instant, on va pas trop faire du circuit rouge. Hein. J'ai un peu la flemme, je vous avouerai. On va plutôt taper là-dedans. Ok. C'est bon. Il faut du sol. Hop. Pas les rouges, c'est normal. Toc, voilà. Voilà, donc là on veut produire ces semi-circuits bleus là. Qui ont besoin de beaucoup de choses. Pardon, de la soudure, tiens, ça m'arrange ça. Hop, cadeau. Du coup, faut que j'en amène de la soudure, j'ai complètement zappé ça. Ça veut dire.
en produit quelque part de la soudure, oui. Donc, elle est là. Ok, donc là du coup, il va falloir un changement de plan, je vais devoir aller en chercher. Non plus, j'en ai plus. On est bien. Hop, hop. Ok, donc, est-ce qu'on peut attraper le coup et passer notre soudure là-haut? Oui, on devrait pouvoir. Hop. Si on peut-être se laisser un peu de place quand même. Toc. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est comme si on n'avait même pas eu de problème, c'est parfait. Hop. Voilà, pour la soudure. Et ça, on a deux trucs à faire fabriquer en plus, donc ça viendra de par là. Ça par contre, ça va venir du bas. Sens. Hop, et donc là ce sont les... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ah, il y a 5 trucs! Oh là, mais pff, c'est compliqué là! Je ne sais plus compter déjà, donc c'est un problème. Et en plus, les recettes s'améliorent pas non plus. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas passer un truc en amont là aussi? J'ai l'impression, parce que sinon, ça va être compliqué. Du coup, on va décaler tout ça d'un cran. Alors, non. Voilà. D'avoir tout démonté, sinon on va pas s'en sortir. Hop, hop. Voilà, quelque chose comme ça, ce sera pas mal. Ok. Hop, tiens, toi, prends ça et prends ça. Cadeau. Ici, du coup, on est bon. Donc là, en fait, ça ne va pas marcher comme ça parce que on va devoir mettre aussi des autres bras et ça, ça dépose plus loin. Voilà. Typiquement, là, on pourrait envoyer des questions de quantité avec ça. Comment ça se passe? C'est de toute façon pas critique, mais le pire c'est les transistors, donc faudrait que les transistors soient plutôt tout seuls. Ça m'a arrangé ça, mais bon. Hop, déjà ça on va l'enlever là parce que c'est pas dit qu'on ait vraiment besoin encore à nouveau maintenant. Donc, transistor tout seul qui serait là du coup. Hein, et les autres, les deux autres qui passeraient là. Hop, du coup, ça va là, comme ça, pof. Ça, pof. Maintenant, on devrait être pas trop mal de ce côté-là. On va avoir tout ce qu'il nous faut. Ok. Et donc là, ce sont les transistors, du coup, qui doivent partir par là. Voilà, et on verra après si on a besoin de continuer tout ce truc-là. Hop, et ici on aura la suite. Mais bon, on va pouvoir arrêter cet épisode-là, YouTube. Donc, bah comme d'hab, moi, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut YouTube!